Ayons les regards fixés sur Jésus. Ce matin, nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ. L'ennemi essaie par tous les moyens de nous distraire, de nous empêcher de garder le focus. Mais ce matin, un homme de foi se tient avec moi et il garde le focus sur Jésus-Christ alors qu'il marche sur les eaux. Oh, nous gardons les yeux fixés sur toi, Jésus-Christ. Nous gardons les yeux fixés sur toi, Jésus. Tu es le chef de ma foi. 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 Je crois ce que tu dis que je crois. Je crois ce que toi tu dis que je crois. Si le monde dit que c'est bleu et que toi tu dis que c'est rouge, je dis que c'est rouge. Si toi tu dis que c'est vert et que le monde dit que c'est noir, je dis que c'est vert. Je crois ce que tu dis. Je crois ce que tu dis. Tu es le chef de ma foi. Tu es le chef de ma foi. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name, Jesus. Miracles happen in your name. As we lift our voice and praise, it's you that I see. It's you that I see. Oh, chantons-le ensemble, au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, quelqu'un garde son focus avec moi, disons au centre. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, personne d'autre. C'est toi que je vois. Oh, quand il y a la tempête autour, disons au-delà de toutes les tempêtes. Au-delà de toutes les tempêtes, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, c'est toi que je vois. Je ne vacille pas sur les eaux, au-delà de toutes les tempêtes. Au-delà de toutes les tempêtes, c'est toi que je vois. Je continue la marche de la foi, les yeux fixés sur toi, Jésus. Au-delà de toutes les montagnes, disons. Au-delà de toutes les montagnes, c'est toi que je vois. Élevé tu es, c'est toi que je vois. Notre Seigneur Jésus est au-dessus de tout, au-delà de toutes les montagnes. Au-delà de toutes les montagnes, c'est toi que je vois. Et c'est toi que je vois. Et le refrain dit, il y a puissance dans ton nom, disons. Il y a puissance dans ton nom. Des miracles se produisent. Des miracles se produisent en ton nom. Disons-le encore, il y a puissance en ton nom. Il y a puissance en ton nom. Des miracles se produisent en ton nom. Oh, disons-le encore une fois, il y a puissance en ton nom. Il y a puissance en ton nom. J'élève la voix en louant. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Alléluia, alléluia. Redisons-le encore. Au centre de toutes choses, disons. Au centre de toutes choses,
c'est toi que je vois. Alléluia. C'est toi que je vois. Alléluia. Au centre de toutes choses, déclarant. Au centre de toutes choses, c'est toi que je c'est vois. Toi que je vois. Yeah. C'est toi que je vois. Alléluia. L'image visible du Dieu invisible au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Le premier-né de la création au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. Au centre de ce culte. Ce n'est pas le conducteur, ce n'est pas le prédicateur, c'est toi, Christ, que je vois. Au centre, au centre, au centre de toutes choses, disant. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. 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 Oh, la grande foi augmente dans nos cœurs à mesure que nous disons. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Gardons le focus. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Seigneur, je suis là ce matin pour toi, Christ. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Et est-ce qu'on peut le redire encore? Au centre, au centre, au centre, disant. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. 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 Amen. Au centre, au centre, au centre. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, disons. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Je vois Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.
Je vois le premier-né d'entre les morts. Je vois l'alpha et l'oméga. Je vois celui qui est, qui était et qui vient. Je vois le premier-né de la création. Je vois le roi des rois. Je vois le seigneur des seigneurs. Je vois celui par qui tout a été fait et pour qui tout a été fait. Je vois celui qui dit et la chose arrive. Je vois celui qui ordonne et elle existe. Je vois celui qui est fidèle de génération en génération pour ceux qui gardent son alliance. Je vois celui en qui nous avons le salut, la rédemption et la rémission de nos péchés. Oh, je vois le commandant des armées célestes. Je vois le grand héros puissant dans les combats. Je vois le grand héros puissant dans les combats. Je vois le commandant des armées célestes, le chef d'état-major des armées célestes. David a dit, qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Hey, quel combat il n'a pas gagné? Hey, pour la place d'ailleurs, pour la d'abord, Sambaya. Tu es le secret de nos victoires. La d'abord, Sambaya, d'abord, chacun à la. Je vois autour de lui une grande armée de saints. Panamayam de la mort, Chekana. Le Matayam de la mort, Sandayanana. Le Matayam de la mort, Sandayan. Et son nom, et son nom. Laissez-moi vous dire son nom. Laissez-moi vous dire son nom. Jésus. 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 Mes enfants, je suis au milieu de vous et ma main se pose sur vous.
sur chacun de vous pour vous restaurer. Recevez mes instructions et acceptez que je mette de l'ordre dans chacune de vos vies, afin que je vous conduise pleinement dans ce pourquoi je vous ai appelé et destiné. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nos cœurs sont ouverts. Glorifie Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia. Les cadres et les opportunités spirituelles de soumission. Cadres et opportunités spirituelles de soumission. La soumission au supérieur est une opportunité de parvenir à un rang élevé d'autorité. La soumission au supérieur est une opportunité de parvenir à un rang élevé d'autorité. C'est pas pour que vous me regardiez, c'est pour que vous l'écriviez. La soumission au supérieur est une opportunité. Le monde a fait en sorte que nous n'aimions pas la soumission. Et quand on parle de soumission, l'humanité s'apprête à subir. Alors que la soumission est en fait une opportunité. N'ayez plus jamais peur de ce mot, d'accord? Entendez-le comme une opportunité. Qui croit que c'est Dieu qui dirige le monde? Il a autorité sur toutes choses. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut décider de tout ce qu'il veut. Il peut changer les temps et les circonstances. À n'importe quel moment, n'est-ce pas? Dieu a pris un jeune berger sans instruction et l'a établi au rang le plus élevé de son peuple d'Israël. David, un simple et jeune berger, est devenu le roi d'Israël par l'onction du Saint-Esprit et le choix de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a positionné à ce niveau-là? Parce que Dieu a vu dans son cœur une attitude de soumission. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. On trouve ça dans Actes 13, 22. J'ai trouvé. Cela veut dire qu'il a cherché, n'est-ce pas? Et il a trouvé David, fils d'Israël, homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés. Et au verset 36, on dit, or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Il a vécu pour faire la volonté de Dieu.
Alléluia. Il était disposé à exécuter la volonté de Dieu dès qu'il la découvrait, dès qu'il en avait la révélation. Il a vécu pour ça. Et à cause de cela, Dieu lui a assuré la promotion de plus en plus jusqu'à le placer au plus haut point, au rang le plus élevé d'Israël. À cause de l'attitude de son cœur. Et ce que nous sommes en train d'étudier durant ces mois, c'est simplement une attitude de cœur qui va nous aider à devenir des hommes et des femmes de grande foi. Alléluia. Des hommes et des femmes de grande foi qui attendent un mot de la part du Seigneur pour parvenir aux solutions divines, aux problèmes et aux besoins de leur vie. La grande foi. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour te servir, pour exercer le ministère sur toi. Mais Dieu qui est là en tout temps peut nous dire un simple mot. Et cela suffira, n'est-ce pas? Cela suffit. Donc la soumission est une opportunité. Dites avec moi, la soumission est une opportunité. C'est une opportunité, mes amis. N'ayez plus jamais peur de cela. D'accord? C'est une opportunité de parvenir à un rang élevé d'autorité. Nous avons vu ça le dimanche dernier dans Matthieu chapitre 8. Et aujourd'hui, nous allons lire 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier, vous avez vu ça? Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du... Nous sommes de Dieu. Et ce qui nous donne autorité sur le monde, c'est un élément spirituel que Dieu appelle la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La foi est l'élément clé qui nous donne le triomphe sur le monde. Le monde est comme un filet dans lequel Satan exerce son influence, son autorité, son pouvoir, sa puissance sur les hommes. Et c'est la foi qui nous fait échapper à cette influence. Alors, comment Satan exerce-t-il sa domination sur le monde? Romains chapitre 10, un des versets les plus tristes de la Bible. Romains 10, 19 à 21. Ne perdez pas de vue qu'il s'agit du peuple de Dieu. Romains 10, 19 à 21. Mais je dis, Israël ne l'a pas su. Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple comment? Rebelle et contredisant. Vous savez ce que c'est qu'être rebelle? Un rebelle, c'est une personne qui se lève contre l'autorité établie. En Afrique, on a l'habitude. Et c'est pour ça qu'on va, ça va mal. C'est ça le problème de l'Afrique. Il y a beaucoup de rébellions, d'indépendance, de désordre.
Vous savez ce que c'est qu'être contredisant? Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous êtes réveillé? Être contredisant, ça veut dire quoi? Ça vient du verbe contredire, ou bien dire contre. N'est-ce pas? C'est dire l'opposé. Un peuple rebelle et contredisant. Quand Dieu dit c'est blanc, il dit non, c'est noir. Et il ose contredire Dieu. Mais regardez la grâce. Tout le jour, Dieu tendait la main quand même vers un peuple rebelle et contredisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Éphésiens 2, 1 à 2. « Vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la... » Cet esprit agit maintenant où? Quand Satan voit une rébellion quelque part, il est content. Parce que cela lui donne une occasion d'entrer pour agir. Il est le prince de la puissance de l'air. Il a mis en place un mécanisme appelé le monde, le train de ce monde, dans lequel il a embarqué toute l'humanité. Il insuffle tous les jours dans l'air, il diffuse sur l'atmosphère tous les jours des pensées, des idées et des paroles de rébellion. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est à travers cela qu'il domine sur l'humanité. Et il le barricade contre Dieu, contre sa volonté, contre ses plans révélés dans sa parole. Quand vous commencez la vie chrétienne, vous captez rapidement les points forts de l'œuvre de la croix. N'est-ce pas? Jésus a humilié Satan à la croix. Vous trouvez ça dans Colossiens chapitre 2. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Et vous vous rendez très vite compte que le plus petit croyant a autorité sur les démons. Il a autorité sur les sorciers, il a autorité sur Satan lui-même. Et nous commençons toujours notre vie chrétienne, en tout cas quand on est vraiment né de nouveau, en boulet de canon. On accumule des victoires et de témoignages. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qu'on ne comprend plus. Par exemple, Jésus les envoyait deux à deux pour chasser les démons, pour guérir les malades et même pour ressusciter les morts. Et quand ils sont revenus, ils disent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et quelque temps plus tard, les mêmes vont dire, « Comment n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tout ce que nous faisions réussissait. Mais nous venons de rencontrer un cas où ce que nous savions ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui s'est passé, maître? Et Jésus dit, ce genre de démons-là. Donc, il y a des catégories. Et certains échecs dans la vie sont vraiment cruciaux parce qu'ils nous aident à comprendre que nous ne sommes que des hommes. Et ils nous aident à comprendre que même si nous savons certaines choses, nous ne savons pas encore toutes choses. Il nous aide à nous rendre humbles et essayer de creuser encore pour progresser. Mais Dieu aime ça.
Et quand on avance et qu'on avance, on se rend compte que nous ne sommes pas les premiers champions spirituels. Dans la Bible, il y a eu maintes et maintes champions. Mais certains ont échoué à la fin. Satan a réussi à faire tomber certains héros. Héros avec H, hein, pas zéro. Certains héros. Si certains héros sont tombés dans le passé, d'autres peuvent tomber dans le présent et d'autres pourront tomber dans le futur. Alors, en creusant, à cause de certains échecs, à cause de certaines insatisfactions, en creusant dans la parole de Dieu, nous tombons sur ce genre de verset. Le monde entier est sous la puissance du malin. Comment? Parce qu'il diffuse dans l'atmosphère l'esprit de rébellion. Tu peux être né de nouveau, croire au nom de Jésus, être rempli du Saint-Esprit, mais s'il y a un domaine de ta vie où tu es rebelle, dans ce domaine-là, tu ne peux pas vaincre Satan. Parce que Satan dirait à Jésus que c'est illégal de le défendre. C'est illégal. La rébellion, l'insoumission, l'indépendance est une chose très dangereuse. Et en lisant la Bible et en vivant un peu avec ma petite expérience de la vie, je me suis rendu compte de manière étonnante comment certains succès rendent des gens rebelles. C'est étrange. Quand l'homme commence à avoir le sentiment d'être capable, quand l'homme commence à avoir l'impression d'être fort, de maîtriser certaines choses, au lieu de donner gloire à Dieu de plus en plus, il peut commencer à donner de moins en moins gloire à Dieu et de plus en plus gloire à quelqu'un d'autre. Et le plus souvent, c'est lui-même. Et c'est le chemin de la chute. Lucifer a pris le même chemin. Et il diffuse ça dans l'atmosphère. Tu ne peux pas regarder la télévision pendant 10 minutes sans être choqué par l'effusion des propos de rébellion. Il y a dans un pays un parti politique appelé le parti des insoumis. Insoumis, et ils assument. Certains disent, nous sommes un peuple rebelle, ingérable. Un peuple qu'on ne peut gouverner. Et ils assument. Vous entendez le diable parler dans la bouche des autorités, dans la bouche des journalistes, dans la bouche des philosophes. Et ils diffusent ça. Tous les jours, ils diffusent dans les médias des pensées de rébellion. Dans quel but? C'est comme des appâts pour dominer sur quiconque va mordre à cet appât. Tu as beau être né de nouveau, tu as beau être chrétien, si tu deviens rebelle, indépendant, tu tombes sous la domination du diable. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui est difficile, une triste vérité. Et il y a certaines situations de la vie qu'on ne peut pas vaincre sans la grande foi. Il y a des domaines dans la vie où Jésus n'interviendra pas par l'onction. Il n'interviendra pas par l'imposition de main. Il n'interviendra que par un mot de sa bouche. Et ce mot ne peut être accepté que par un cœur qui a une grande foi. Et la grande foi, ce n'est pas une foi extraordinaire. C'est simplement une attitude de soumission. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. À cause de cela, pas besoin que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Plus vous devenez soumis, je parle d'une soumission intérieure, d'accord? Plus vous avez une attitude de soumission, plus sensible vous êtes aux mots qui sortent de la bouche du maître. Vous entendez ça?
plus vous avez une attitude intérieure de soumission, plus sensible vous devenez aux mots qui sortent de la bouche du maître. Et c'est très important. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons faire une révision des choses que tout le monde connaît ici. Il n'y a rien de nouveau que je vais vous dire. Il n'y a pas un verset que je vais lire que vous n'avez pas lu. Nous allons faire une révision. Nous allons voir combien Dieu, dans sa bonté, il nous tend la main. Comme il a tendu tous les jours la main à un peuple rebelle et contredisant. Tous les jours de la vie, Dieu nous tend la main pour nous sauver de ce monde rebelle. Tous les jours, il nous tend la main à travers ce que j'appelle des cadres de la vie qui sont des opportunités pour se soumettre. Des cadres de la vie. Dimanche dernier, nous avons vu le tout premier cadre. Il faut toujours commencer par là. Quand on parle de soumission, mes amis, n'enlevez pas Dieu. On commence d'abord à se soumettre à Dieu. Parce que, écoutez-moi, quelqu'un qui est très, très soumis et qui ne craint pas Dieu, il n'est pas soumis du tout. Il a un intérêt. Vous entendez? Ou bien il a peur. Alors il est dominé. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il libère ta volonté. Il t'affranchit. Il te rend libre. Maintenant, il attend de voir qu'est-ce que tu vas faire avec ta liberté. Satan a servi. Il rend esclave. Il ne laisse pas le choix. Le Saint-Esprit rend libre. Il nous ramène dans le jardin où il y a deux arbres. Et Dieu dit seulement une parole. Il ne met pas de gardien pour t'empêcher. Il dit, ne touche pas à cet arbre, tu peux manger de tout. Et il s'en va. Il s'en va, mes amis. Il aurait dû mettre des chérubins enflammés autour de cet arbre. Non, il s'en va. Parce qu'il veut voir si tu vas le croire sur parole. La liberté est quelque chose de difficile à gérer. La grâce est quelque chose de difficile à vivre. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut une soumission qui vient de cœur. Une soumission qui n'est pas la conséquence d'une contrainte. D'accord? Nous commençons d'abord par la crainte de Dieu. Ok? Ok. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, sa crainte ou bien la soumission qu'il montre est artificielle. Elle n'est pas profonde. Elle est donc mensongère. Jésus a dû endurer 40 jours de tentation dans le désert. Et une nuit affreuse à Gethsémané, afin que nous retournions en Éden. Vous savez, quand vous lisez Luc chapitre 4, l'Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert où il fut tenté, n'est-ce pas? Et après plusieurs tentations, au verset 13, vous voyez que Satan se retira en attendant une occasion favorable. Et vous lisez le bruit qui dit « Jésus a été tenté en toutes choses, sans jamais commettre de péché. » Satan n'a pas laissé Jésus tranquille. Toutes sortes de tentations que les humains peuvent subir sur la terre, Jésus les a toutes subies. Et il a triomphé partout, afin que nous puissions nous identifier à lui. Quelle que soit la tentation, il a été tenté en toutes choses. Personne sur terre ne sera tenté en toutes choses. Ok?
Mais il a réussi en toutes sortes de tentations afin que nous puissions nous identifier à lui. Il n'y a pas un terrain de tentation où l'on ne puisse s'identifier à Jésus. Et si l'on s'identifie à Jésus, on peut toujours réussir. Alléluia. Mais la Bible dit que Satan s'est retiré en attendant l'occasion favorable. La fameuse occasion favorable se trouve en Gethsémané. Où Jésus était poussé à enfreindre la volonté de Dieu qu'il connaît. Et pour réussir, il a dû prier, lisez Hébreux. Vous allez voir que là-bas, il a gémi avec grand cri. Il a prié Jésus, il a pratiqué la prière. J'aime Jésus parce qu'il vit ce qu'il nous a dit. Il nous a dit dans son enseignement sur la prière, lorsque vous priez, dites, entre autres, ne nous soumets pas à la tentation. Nous devons prier pour ne pas succomber à la tentation. Il a dit à Gethsémané, vous n'avez pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mes amis, si tu ne pratiques pas la prière, tu ne peux pas réussir. Impossible. Ne vous contentez pas d'avoir une bonne volonté. Nous avons besoin d'une force surhumaine pour résister à la tentation. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où il nous est dit de résister aux désirs de la chair. Il nous est dit de résister au diable. La chair fait partie de chacun. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne autorité sur les impulsions de la chair, sur les suggestions de la chair. Il a réussi là-bas pour nous donner un exemple. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il rachète la faute du premier homme qui a contaminé toute l'humanité. Il a racheté ça dans le désert. Il a racheté ça à Gethsémané. Il a racheté ça à la croix afin que nous puissions nous identifier à lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, ce matin, nous allons voir trois cadres qui sont simplement des cadres familiaux. OK? Trois cadres qui sont des opportunités spirituelles de soumission en vue de parvenir à un rang élevé d'autorité. Le tout premier cadre, c'est l'Église, la famille de Dieu sur la terre. Le deuxième cadre, c'est la famille de l'homme. Le troisième cadre, ce sont les nations, l'ensemble de toutes les familles des hommes sur la terre. Ce sont des cadres familiaux. Alléluia. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 3, à partir du 14e verset, Paul, il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui tire son nom, toute famille, où ? Dans les cieux et sur la terre. » Dieu est un père de famille. Il a plusieurs familles dans les cieux. C'est pourquoi il en a sur la terre. Car tout ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Le naturel vient du spirituel. S'il y a une famille sur la terre, ne fût-ce qu'une seule, c'est parce qu'il y en a au ciel d'abord. Et chaque famille terrestre est appelée à être le reflet de la famille céleste. Alléluia. Le mot famille est un mot intéressant parce qu'il fait appel à l'ordre, à la hiérarchie, automatiquement. Quand on parle de famille, automatiquement, on sait qu'il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. N'est-ce pas? Donc, il y a un chef. Et l'ordre s'installe naturellement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Dieu est un père de famille. Commençons par l'Église. C'est quoi l'Église?
C'est le corps du Christ, n'est-ce pas? L'Église invisible, l'Église universelle, le corps de Christ, l'ensemble de tous les hommes et femmes qui sont nés de nouveau, qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Là-bas, il n'y a ni catholique, ni protestant, ni musulman, ni bouddhiste, ni rien du tout. Là-bas, il y a juste Jésus. Tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu reçois la parole qu'il est. Tu crois en son nom. La parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là-bas, il n'y a ni TPV, ni aucun ministère. Vous entendez? Il n'y en a pas. Mais l'Église, c'est quoi? L'Église, comment est-ce que l'Église se matérialise sur la terre? Parce que je parle de l'Église, la famille de Dieu sur la terre. Comment est-ce que l'Église se matérialise sur la terre? À travers les églises locales. Alléluia. Vous savez, il y a un courant aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est déjà fait dans le passé. Il y a des gens qui disent qu'ils appartiennent au corps de Christ. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ils ne fréquentent aucune église locale. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très avantageux dans la chair de ne pas appartenir à une église locale. Parce qu'une église locale t'impose de reconnaître l'autorité des pasteurs, des anciens, des diacres et des frères. Donc c'est avantageux dans la chair d'être un électron libre. C'est très avantageux, mais dans la chair. Et n'allez pas dire que cette personne n'est pas née de nouveau, hein, qu'elle n'est pas un enfant de Dieu. Elle est un enfant de Dieu, mais elle est en danger. Et si vous fréquentez bien ces personnes, vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, ils finiront par vous livrer quelque chose. Il a été blessé quelque part un jour. Il a peut-être été abusé quelque part. Un pasteur l'a trompé peut-être. Un frère a abusé de lui peut-être. Il s'est renfermé. En fait, c'est une âme blessée. Il est motivé par sa souffrance. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mauvais papa que tous les papas sont mauvais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez, quand vous entendez un jeune dire que lui, il ne va pas se marier, ça veut dire que c'est un eunuque. C'est ça? Je suis patient avec ce genre de cas-là. Je suis très patient. Je me souviens d'un jour, un frère, il avait beaucoup aimé une sœur. Ils ont cheminé ensemble. Les pasteurs ont été au courant. Mais le papa de la fille n'était pas d'accord. Et avec un peu de prière et de conseils, papa a changé d'avis. Il a accepté. Mais après quelques semaines, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Papa est revenu sur sa parole et il s'est braqué. Il a mis la pression sur sa fille et la fille a laissé tomber le frère. Le frère est venu me voir et m'a dit, « Pasteur, je ne me marierai plus jamais. Je ne pense plus être capable d'aimer encore. » Je savais déjà que c'était faux. Alors j'ai voulu, vous savez, dans cet élan, pour l'aider, j'ai voulu l'aider, le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi. Je n'ai pas compris pourquoi, donc je me suis tué. Il a fini de parler, je l'ai écouté. Je l'ai libéré. Quand il est parti, je suis resté dans la pièce là. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as empêché de lui dire qu'il se trompe? Le Seigneur ne m'a rien dit. Silence radio. 3 mois plus tard, quelqu'un d'autre va me dire que... Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais dit.
Ne prenez jamais une décision définitive à partir d'une blessure ponctuelle. Ne laissez pas une souffrance passée modifier le cours de votre existence. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ne laissez pas. C'est fait, d'accord. On aurait aimé que ça ne se produise pas comme ça, mais c'est fait. Vous savez, dès qu'une chose s'est produite, 5 minutes plus tard, cette chose fait partie du passé. Même si tu en as le souvenir. D'ailleurs, le mot souvenir implique que c'est un événement passé. Ne traînez pas la poubelle du passé dans votre présent. Toute poubelle a vocation à pourrir et à sentir mauvais. Débarrassez-vous-en. Et continuez la marche en faisant confiance en Dieu. Gardant les yeux sur Jésus. Il peut guérir les cœurs brisés. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu crois à l'Église universelle et ne pas croire à l'Église locale. Parce que l'Église locale est la matérialisation de l'Église universelle. Ce sont des cadres spirituels que Dieu a permis dans chaque localité afin que ses enfants apprennent à se soumettre au Père à travers des autorités humaines. Et ce sont des opportunités que Dieu leur donne pour grandir dans le rang spirituel de l'autorité. Vous m'entendez? Donc, je ne veux pas parler de l'Église universelle. Je veux parler de l'Église locale. Pas de notre Église locale, mais de ce qui est prévu dans la parole de Dieu concernant l'Église locale. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a, vous avez vu que dans Matthieu 8, cet officier dit, « Moi qui suis soumis à des supérieurs. » Supérieur au pluriel. Il y a beaucoup de couches de supériorité auxquelles nous devons nous soumettre. Les premières autorités dans l'église locale, c'est qui? C'est les uns envers les autres. Vous pensez que j'allais parler des pasteurs? Je vous ai pris à contre-pied. Parce que un pasteur, tout pasteur sort quoi? Du milieu du troupeau. N'est-ce pas? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, c'est très important. Un pasteur qui n'a pas appris la soumission les uns envers les autres ne peut pas être un bon pasteur. Si ça se trouve, là où tu es là, peut-être que tu as vraiment un appel authentique. Mais là, le premier niveau de soumission les uns envers les autres est cet endroit où le Seigneur te teste. Pour voir s'il peut te faire confiance en te donnant la responsabilité sur une partie de son troupeau. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes d'abord les brebis du Seigneur. Vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Je ne peux pas vous bloquer. Je ne peux pas vous dire n'allez pas à tel endroit. Je n'ai pas le droit. Je dois simplement vous montrer dans la Bible quels sont les critères d'un endroit où on doit appartenir. Après, c'est à vous d'être libre de choisir. Vous n'êtes pas mes brebis, je ne suis pas mort pour vous. Mon sang ne peut pas vous sauver. Beaucoup sont appelés à un grand leadership dans l'Église, mais ils échouent dans la soumission les uns envers les autres. Ils échouent là-bas. Ils échouent là-bas. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Éphésiens 5, 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur, quoi? Les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant comment? Dans quoi? Vous avez vu ça? Vous soumettant les uns les autres. Et vous savez quoi? C'est une mission impossible sans la plénitude du Saint-Esprit. Alors, en tant que pasteur, quand je lis ce verset, je comprends tout de suite que pour qu'il y ait une atmosphère de soumission, pour qu'il y ait de l'ordre parmi nous, je dois recourir à quoi? À la plénitude de l'Esprit. Toutes les lois que je peux mettre sont insuffisantes. Vous entendez? Vous entendez ça? Insuffisantes. Parce que celui qui connaît le cœur de l'homme nous parle. Il dit, quand quelqu'un n'a pas la crainte de Christ, quand quelqu'un n'est pas rempli de l'Esprit, c'est une peine perdue de s'attendre à ce qu'il soumette à vous. Vous m'entendez? Celui qui a créé le cœur de l'homme nous parle. Il dit, recourez à la plénitude de l'Esprit et vous serez surpris de voir l'harmonie qui va régner. L'église locale va devenir comme un orchestre philharmonique. Chacun joue sa partition et ça crée une harmonie extraordinaire. Parce que qui est le maestro? Le pasteur? Bien sûr que non. Parce que le Saint-Esprit devient le chef d'orchestre. Une sœur nous racontait comment elle vient d'une église où on ne porte pas de pantalon. Et à l'église, il faut mettre le foulard. Elle était la fille du pasteur de cette église-là. Vous savez quoi? Quand elle sortait de la maison, elle avait un pantalon dans son sac. Quand elle sort de la maison, elle a la burqa. Mais quand elle va très très loin du quartier de son père, là elle devient elle-même. Papa n'a jamais su. Mais le Saint-Esprit a toujours su. Oui, j'entends quelqu'un dire, ah oui, d'accord, donc on est libre, il n'y aura pas de règles d'ordre. Si, il y aura un règlement d'ordre intérieur. Ça, on va voir ça après. Mais on ne commence pas par là. Quand les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, il n'y a rien à faire. Parce que Dieu maîtrise le cœur du croyant à travers la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Amen. Regarde, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit où? Où il fut tenté par le diable. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, Dieu peut l'emmener où il veut. S'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'aura pas la force d'aller où Dieu veut, même s'il sait que c'est Dieu. Il ira promptement quand ça l'avantage. Mais quand ça le désavantage, il n'aura pas la force d'y aller. Nous soumettons les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu regarde un frère ou une sœur de grande foi dans son attitude envers les frères et les sœurs. Même moi qui vous parle, si je deviens un tyran, vous connaissez maintenant la Bible. Vous voyez tout simplement que je suis un homme de peu de foi. En fait, un pasteur de peu de foi. Pasteur quand même. Nous soumettons les uns les autres. On est d'accord? De manière absolue, nous sommes tous égaux. En tant qu'enfants de Dieu. Vous m'entendez? En tant qu'enfant de Dieu, personne n'est supérieur à l'autre. Mais je précise,
en tant qu'enfant de Dieu. Mais en termes de responsabilité, vous n'allez pas me dire que nous sommes égaux. Hein? Tu es mon égal en termes de responsabilité? Hein? Quand la police vient poser des questions, c'est toi qu'on appelle? Prochainement, je veux dire à la police, nous sommes égaux. On va choisir à la volée. Faut que ça soit clair. En tant qu'enfant de Dieu, de par notre nature, personne n'est supérieur à l'autre. Nous sommes au même niveau. Mais en termes de responsabilité, nous ne sommes pas au même niveau. Et ça, les pasteurs doivent aussi avoir le courage de le dire. En termes de responsabilité, je suis votre supérieur. Dites encore Amen. Amen. Dites-le trois fois. Amen. Mais oui. Mais oui. Allons-y. Jacques chapitre 4. Dimanche dernier, nous avions lu juste un verset. Je vous avais promis que nous allions l'étendre. Voici comment nous manquons d'autorité envers le diable. Jacques chapitre 4, versets 7 à 12. Nous voyons des nations, des églises, surtout en Afrique, pratiquer la prière comme jamais dans le monde. Mais ils font preuve d'une faiblesse étonnante face aux éléments. Étonnante. Parce qu'ils négligent l'ordre. L'ordre établi par le souverain. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Souvent, on s'arrête là. Il faut continuer, mes amis. Verset 11. Ne parlez point mal les uns les autres, frères. Vous entendez? Ça affaiblit l'Église. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut et perdre. Mais toi, qui es-tu? Toi qui juges ton prochain. Regardez, il y a la notion d'autorité ici. Si je parle mal du roi, n'est-ce pas? Je tombe sous son pouvoir parce qu'il est le chef. D'accord? Alors, si la Bible nous dit de nous soumettre les uns les autres, cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis ton chef pendant que tu es mon chef. Nous sommes réciproquement chefs les uns des autres. Donc, si je parle mal de toi, je tombe sous ton pouvoir. Si tu parles mal de moi, en tant que frère, tu tombes sous mon pouvoir. Et quand un frère parle mal de son frère, il ouvre une brèche pour que l'ennemi l'atteigne. Et nous rendrons des comptes devant le législateur et le juge. Alors apprenons à nous taire. Vous m'entendez? Apprenons à nous taire. Parfois, les gens disent des choses. Ne répondez pas. Si tu as trop mal, va pleurer devant le Seigneur. Va pleurer là-bas, d'accord? Tais-toi. Tais-toi. C'est un aspect du combat spirituel. C'est un moyen par lequel l'ennemi essaie de contourner pour fragiliser l'Église.
Jésus a dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. C'est une loi. C'est un principe. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5, à partir du 5e verset. 1 Pierre 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez quoi? Hein? Vous avez vu ça? Ici, ce n'est plus les uns les autres. Regardez-moi bien. On a changé de niveau maintenant. Ce n'est plus les uns les autres. Hein? Il y a qui ici? Les jeunes et... Soyez soumis aux anciens. Et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'entrailles d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. On a l'impression que Pierre et Jacques se sont copiés. Les mêmes éléments sont là. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoute-moi, jeune gens. Le diable rôde autour de toi. Ok? Et il n'arrive pas à t'atteindre, gloire à Dieu. Mais il guette l'occasion où tu seras insoumis à un ancien. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quand il voit la rébellion d'un jeune envers un ancien, il dit, voilà un jeune homme qui me ressemble. Entraînons-le dans le même sort que moi. Est-ce que vous savez que dans l'Église, il y a des jeunes et des anciens? Vous savez ça? Vous savez, à un moment donné, comme je vous le dis toujours, il y a saturation de titres. Nous avons Pasteur Sarah et son bien-aimé époux qui sont avec nous. Ils servent avec le Docteur Kawata. Vous connaissez le Docteur Kawata, non? Docteur Kawata est le pasteur principal de son église locale. Je suis pasteur principal de mon église locale. C'est le même titre. Mais on n'a pas le même niveau. On n'aura jamais le même niveau. Je le rattraperai jamais comme tu ne me rattraperas jamais. Amen. J'attends que vous dites amen. Amen. Jamais. Quels que soient les exploits que je peux faire. Docteur Karatwata restera au-dessus de moi. Pourquoi? Parce qu'il est un ancien. Tout simplement. Tout simplement. D'accord? Si je ressuscite 3 morts et que tu en ressuscites 33, tu restes en dessous de moi. Je vous le dis en face. Tous tes exploits seront de bonus sur moi. Donc, je ne peux pas vous jalouser. Parce que vos exploits, c'est ma gloire. Amen. Tu deviens millionnaire, je suis pasteur d'un millionnaire. Amen. Tu deviens milliardaire, je suis pasteur d'un milliardaire. Amen. Tu as un jet privé, même si j'en ai pas, je suis pasteur d'un quelqu'un qui a un jet privé. Amen. Tu ne me rattraperas jamais. Amen. Comme je ne rattraperai jamais les anciens. Ce sont dans ces méandres-là que le diable se faufile pour tromper les croyants. J'aime parler avec les enfants parce que je ne supporte pas les gens qui sont faux. Et comme ils sont rares parmi les adultes, j'aime la compagnie des enfants. Ils sont clairs comme ça. Tu lui donnes à manger, il dit « Berk, c'est pas bon. » Nous, on va le dire avec modération. On va dire « C'est étonnant. Ça a un goût étrange. »
Les enfants sont cash. J'ai reçu des enfants. C'était l'anniversaire d'un des enfants. Il m'a amené un gâteau. Ils ont partagé avec Cody. Il a tenu à ce que je mange un bout de son gâteau. Vous vous rendez compte? Mon cœur a fondu comme ça. Il dit, tonton, voici. J'ai dit, tu as quel âge? Il m'a dit, j'ai 5 ans. J'ai dit, waouh! Bientôt, tu vas me rattraper. Il est resté comme ça. Ses yeux ont commencé à tourner. L'ordinateur a commencé à tourner. Et puis, il me dit, non, je ne te rattraperai jamais. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que quand moi, j'aurai 6 ans, toi, tu auras aussi une année de plus. J'ai dit, ah, tu es plus sage que le vieux ici. J'ai envie de l'emmener ici qui vous prêche. Quelle souffrance on a parfois dans la vie. Tu accueilles les gens dans la foi. Ils reçoivent Jésus entre vos mains. Ils sont baptisés entre vos mains. Ils deviennent pasteurs. Et tu vois vraiment que, voilà, il te regarde comme son égal. Et parfois même, il te dépasse. En fait, il pense te dépasser. C'est affligeant. C'est affligeant. C'est vraiment affligeant. Dans l'église locale, il y a des jeunes et des anciens. C'est contraignant. C'est pour ça que certains choisissent de se dégager de la contrainte de l'église locale. Dans l'église locale, 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Disons donc, on va rester dans le cadre de l'église locale pour ce culte. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. J'aimerais que vous lisiez ça attentivement avec moi, s'il vous plaît. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, petits enfants. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. On voit trois catégories, n'est-ce pas? Dans chaque église locale, il y a des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Les petits-enfants, quelle est la caractéristique des petits-enfants? C'est que leurs péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus, n'est-ce pas? Quelle est la caractéristique des jeunes gens? Ils ont vaincu le malin. Quelle est la caractéristique des pères? Ok, c'est clair. Et l'apôtre va continuer, il va approfondir une idée simple. Il l'a dit en surface, il va l'approfondir. Continuons. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est la même chose qu'il avait dit précédemment, n'est-ce pas? Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez ça? Donc, il révèle le secret de leur force. Il dit, vous avez vaincu le malin, vous devez savoir pourquoi. Parce que vous êtes fort et la parole de Dieu demeure en vous. Si la parole de Dieu ne demeure pas en vous, vous n'allez pas continuer à vaincre le malin. Je vous écris, petits enfants. Où c'est? Voilà. Verset 13. Merci. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu. Autrement, vos péchés étaient pardonnés à cause de son nom. Et ici, il dit, vous avez connu le Père. C'est ce que Jésus est venu faire. À travers son nom, nous recevons le pardon. Mais le but, c'est quoi? C'est de connaître le cœur du Père, sa miséricorde, sa bonté, son amour et sa grâce. Mais pour le Père, on ne change pas de message. Parce qu'ils sont arrivés à un point de stabilité. Ils ne grandissent plus. Les
autres continuent de grandir. Les pères sont arrivés à un point de stabilité. Dis-moi, après 50 ans de ministère, qu'est-ce qui te reste à prêcher encore? Si tu ne prêches que la Bible, pardonnez-moi de parler ainsi. Maintenant, le danger, si tu te lasses des mêmes écritures, c'est là où tu inventes les révélations. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut apprendre à Papa Karambiri? Quel point de doctrine on peut lui apprendre? Qui d'entre nous ici va l'instruire sur quelque chose dans la Bible? Personne. On peut simplement l'édifier. Il n'y a rien que je puis dire, en tout cas si je pars de la Bible, qui ne sait pas. Parce que ça fait 50 ans qu'il est dedans. Oui, maître père, c'est dangereux parce que tu peux te lasser. La Bible peut devenir routinière. Mais un vrai père ne s'en lasse pas. Ce que Dieu appelle un père, c'est qu'avant d'être établi dans cette position, il a triomphé du piège de se lasser de la même parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la même. Notez ceci. Dans chaque église locale, il y a les petits-enfants, les jeunes gens et des pères. D'accord? Les petits-enfants reçoivent. D'accord? D'accord. Les jeunes gens combattent. Mais les pères savent. Vous entendez? Les petits-enfants reçoivent. Les jeunes gens combattent. Les pères savent. Regardez. Quand un père a besoin de recevoir, il sait comment recevoir. N'est-ce pas? Quand un père a besoin de combattre, il sait comment combattre. Parce qu'il sait. Il a connu le père. C'est sa caractéristique. Il a une connaissance du père. Il a une connaissance de celui qui est dès le commencement. Il a compris l'origine de toute chose. Il n'analyse pas les faits, les situations à partir de ce qui se passe aujourd'hui. Il connaît l'origine des choses. C'est comme si tout était déjà du déjà vu pour lui. Parce qu'il connaît celui qui est dès le commencement. Il sait. Il a un niveau de connaissance de Dieu qui est plus profonde que celle des autres. Si tu veux savoir si tu es un petit enfant ou un jeune gens, la Bible est là. Si ta vie chrétienne est définie par le fait de recevoir, tu es un petit enfant. D'ailleurs, si tu pratiques tout le temps la confession de tes péchés, tu es un petit enfant. Si tu reviens toujours, pardonne-moi Seigneur, et le Père est bon, il te pardonnera toujours. Mais le problème, c'est l'immaturité. C'est ce qui te bloque là. Maintenant, si tu es tout le temps, si tu as atteint un niveau où tu es conscient des combats, et toi tu veux toujours vaincre, c'est très bien, tu es utile pour nous. Mais tu es un jeune gens. Parce que tout n'est pas un combat dans la vie. Vous savez ça? Dans la vie, il y a des combats, mais il y a aussi des épreuves. Quand c'est une épreuve, ce n'est pas à Satan que tu dois parler. C'est à Dieu qui te teste. C'est à lui que tu dois parler. Les jeunes gens sont utiles pour les petits-enfants. Les pères sont utiles pour les jeunes gens et pour les petits-enfants. Parfois, je parle avec les petits-enfants ici. Le problème, c'est que quelqu'un peut avoir 30 ans,
mais être un petit enfant. Et il vient me parler, malheureusement, on voit les pasteurs le plus souvent quand il est trop tard, quand on a multiplié déjà des gaffes. Je lui dis, mon frère ou ma soeur, pourquoi c'est maintenant que tu m'en parles? La solution était simple pourtant. Mais l'orgueil. Un jour, quelqu'un m'a dit, je voulais faire mes propres expériences. Je voulais réussir par moi-même. Je lui ai dit, vraiment, tu ne t'aimes pas. Tu aurais pu éviter toutes ces souffrances par un conseil de 5 minutes. Dans l'église, il y a des petits-enfants. Il y a des jeunes gens et il y a des pères. Dans l'église, il y a des petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Alléluia. Dans l'église, là, je ne vais même pas commenter. Il y a des charnels et des spirituels. Vous savez ça, non? Pas besoin de commenter. Dans l'église, il y a des anciens et des diacres. Et je vais m'arrêter là. Il y a des anciens et des diacres et ils sont utiles. 1 Timothée 3. Regardez quelque chose que l'on dit au sujet des anciens. Et vous allez lire tout ce qui est dit dans la suite. Ok, prenez 1 Timothée 3 et analysez nos diacres. D'accord? Vérifiez s'ils entrent dans les critères. Si tu trouves un qui n'entre pas dans les critères, viens me voir en secret. Tu me dis son nom et tu me dis pourquoi il n'en est pas digne. On va le démettre de ses fonctions. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc d'ancien, il désire une œuvre excellente. C'est une bonne chose. Regardez le verset 6. Il ne faut pas qu'il soit... Tout le monde a lu ça? Tout le monde a lu ça? Si tu as reçu Jésus l'année passée, quels que soient tes exploits, en tout cas, moi, je te laisserai là où tu es. Par amour pour toi. Pourquoi? De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. En soyez patient. Ok? Prenons le temps d'avancer doucement, lentement et sûrement. Ce n'est pas parce que j'ai dit que nous n'avons pas le même niveau de responsabilité que tu dois commencer à chercher une responsabilité pour dominer sur les autres. Si tu n'as pas la consistance intérieure, la responsabilité va te tuer. Elle va t'écraser. Parce qu'il y a quelqu'un qui te guette, il s'appelle le diable. Par amour pour toi, on te laissera là où tu es. Jusqu'à ce que tu t'affermisses intérieurement. Par amour pour toi, on va t'éprouver. Vous m'entendez? On va t'éprouver. Quand on voit quelqu'un manifester un certain don, certaines possibilités, alors on va commencer à l'éprouver. Vous entendez? On va commencer à l'éprouver. Pourquoi? Parce qu'on veut voir où il en est avant de le placer là où il sera utile pour nous tous. Parce qu'on connaît le diable. On connaît le diable. Grâce à la parole de Dieu. Vous voyez à quel point l'église locale est un cadre, n'est-ce pas? Où nous nous entraînons à la soumission. N'est-ce pas? Chapitre 4, 1 Timothée 4, verset 12, c'est la dernière portion que nous allons lire. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta... Ah, Timothée était arrivé à un point d'être responsable, mais il était jeune. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. OK? On ne va pas attendre que tu aies des cheveux blancs. Hein? Ancien, c'est un ancien spirituel. Ça ne veut pas dire ancien par ton âge naturel.
Donc certains jeunes peuvent devenir des anciens par leur maturité et leur constance dans la durée. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Paul, il dit à Timothée que personne ne doit mépriser sa jeunesse, mais il ne s'arrête pas là. Mais il lui dit, sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de mes mains. Dans l'assemblée de qui? Ah, ça veut dire que les anciens ont approuvé. N'est-ce pas? Les anciens ont dit, oui, le petit, il peut entrer dans le cercle. Ils ont approuvé ça. Verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient comment? Pour qui? Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, écoute ça, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Timothée, je veux que tu ne te perdes pas toi-même. Verset 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ah, j'aime ça. Timothée, n'oublie pas les personnes âgées. Ce n'est pas parce que tu es leur pasteur que tout est permis. Quand tu parles à une personne plus âgée que toi, il faut avoir du tact. Il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait du respect. Il reste ton aîné. Mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Et celles qui sont jeunes comme des sœurs. En toute pureté. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit aujourd'hui que tu ne savais pas? Rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais je suis simplement venu ajouter ceci. Toutes les choses que tu savais, regarde-les maintenant comme une opportunité de parvenir à un rang élevé d'autorité spirituelle. Si tu t'extrais de ça, tu limites toi-même ton progrès dans la hiérarchie spirituelle de l'autorité. Toi-même. Gloire à Dieu pour l'église locale. Gloire à Dieu pour les anciens, les aînés qui sont devant nous. Gloire à Dieu pour les anciens, les diacres. Gloire à Dieu pour la communion fraternelle. C'est très important. Alléluia. Si nous voulons changer l'atmosphère de cette nation, si nous voulons que le règne de Dieu vienne sur cette nation de manière manifeste, nous devons pratiquer ces choses. Ça commence d'abord par comment nous vivons ici, là. Alléluia. Comment nous reflétons la vie de la famille de Dieu, ici à Casablanca. Et là où vous êtes aussi, vous les frères, qui nous écoutez. C'est la même chose. Dans votre ville, vous avez les clés. Ne commencez pas d'abord par bombarder Satan et les démons. Jésus a déjà réglé leur compte à la croix. Il y a de l'ordre qu'on doit mettre d'abord dans la maison. Alléluia. Et nous allons exhaler un parfum qui va chasser la mauvaise odeur de la rébellion que l'ennemi répand sur l'atmosphère. Alléluia. Ça nous donne déjà de l'autorité sur les éléments. Ok? Maintenant, tous les policiers sont mes amis ici. Quand ils viennent me voir, c'est eux qui commencent par dire, nous sommes là pour votre sécurité. Ne vous dérangez pas. Quand ils entrent, ils disent, oh, ils sont organisés. Ça a pris du temps pour imposer ça.
Si vous savez les préjugés qu'ils ont pour nous, là où il y a des blacks, aïe, aïe, aïe. Mais on a renversé ça. Alléluia. Donc nous commençons à gagner du terrain. Nous commençons à gagner. Est-ce que vous saisissez ça? Je vous parle de la part du Seigneur. Écoutez-moi, nous sommes en train de gagner du terrain spirituellement. Pas avec le bruit. Des prières agressives spirituelles. Mais des gens qui n'ont pas les manières du ciel. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Par exemple, mon pays est dit un pays chrétien. Il y a une église dans chaque rue. Comment est-ce qu'on va dire à un Marocain que le christianisme est meilleur? Dès qu'il pose le pied dans mon pays, il se dit, mais si le christianisme était meilleur, du fait qu'il y a une église dans chaque rue, pourquoi vous êtes comme ça? Et pourquoi vous quittez, vous fuyez vos pays pour venir chez nous? Vous comprenez ça? Écoutez, le combat spirituel n'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui. Il est très différent. Très différent. Écoutez-moi, je vous parle de tout mon cœur. Il est très différent. Soyez patient. Pratiquez ces choses dans l'église locale. Vous serez surpris. Nous sommes en train de gagner du terrain. Vous m'entendez? Personne ne pourra nous chasser. Au contraire, il viendra un temps où ils se diront, il faut qu'on ait plusieurs personnes comme ça. Je vous assure. Vous m'entendez? Alors soyez patients. Réglons nos problèmes, nos linges sales en famille. Ok? Jusqu'à ce que nous commencions à exhaler ce parfum. Parce que c'est un combat d'atmosphère. Alléluia. Alléluia. Je suivais une pub dernièrement. Vous savez, on utilise... Je vais fermer, comme ça vous êtes sûr que c'est fini. J'ai parlé qu'un seul point, vous avez vu. Qui d'entre nous utilise les désodorisants de toilette? N'est-ce pas? Vous savez, nous, pour moi, comment on dit? On fait quoi? Ah, voilà, oh, vous connaissez le français, c'est bien. Tu pulvérises, après un certain temps, l'odeur change, n'est-ce pas? Pour nous, les novices, c'est ça. Mais le chimiste, il t'explique qu'il y a des molécules dans ce truc-là, ok, qui entourent les molécules de mauvaise odeur et qui les tuent. Donc, c'est un combat de molécules, un combat moléculaire. Vous comprenez? Que l'odeur change est un combat. C'est la même chose. Nous sommes la bonne odeur de Christ dans cette atmosphère souillée. Le Saint-Esprit nous pulvérise dans l'atmosphère. Nous allons capter ces mauvaises molécules, les dompter, les dominer, les écraser. Et après quelques mois, l'atmosphère va changer. Et on va dire, sentez, voyez comment l'Éternel est bon. Vous avez vu ça? Vous avez acclamé, pas parce que j'ai bien parlé, mais parce que Dieu a ouvert votre esprit. Alléluia. Soyez bénis. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, Rabassando Rogotaragaya. Nita brosse kenteria tarabia boshakatere nege. Nendere gassinto mante pradia scante paragon. Lonte branike steria mandera tosha paragan. Igramiria coria sendo romante palara. Yendo koshakade beriante karaman. Resinda banako bla interia conde bachetere de gesam. Le caramos sante pris de tout ton cœur. Robo yassire kaman. Lende kaparaya santorogom. Le pranagasha karamama. Nous ne voulons pas de cette atmosphère au milieu de nous. Nous ne voulons pas de l'atmosphère de l'ennemi au milieu de nous. Ce n'est pas le bon endroit, Satan. Ce n'est pas le bon endroit pour que tu puisses diffuser cette atmosphère de rébellion. Ce n'est pas le bon endroit.
n'est pas le bon endroit. Nous chassons maintenant ton atmosphère. Nous chassons cette atmosphère dans le nom de Jésus. Et nous sommes là comme le bon parfum de Christ. Alléluia. Que l'esprit de soumission les uns les autres remplisse cette atmosphère. L'esprit de soumission les uns les autres remplit l'atmosphère de notre église locale. L'esprit de soumission les uns les autres remplit l'atmosphère. L'esprit de soumission aux anciens remplit l'atmosphère. L'esprit de soumission aux anciens remplit l'atmosphère. L'esprit de respect, de reconnaissance, d'honneur remplit l'atmosphère. Il n'y a point de place pour la rébellion en ce lieu. Point de place pour le désordre. Point de place pour les critiques. Point de place pour les calomnies. Point de place pour les jalousies. Point de place. Nous ne voulons pas de ça au milieu de nous. Seigneur, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé et diffuse. Diffuse ton esprit sur l'atmosphère de cette assemblée. Diffuse ton esprit sur l'atmosphère des assemblées de frères qui nous suivent maintenant en ligne. Diffuse ton esprit sur l'atmosphère de chaque église où Jésus est glorifié. Prions pour les églises sœurs, toutes les églises que tu connais sur cette nation. Prions pour que le Seigneur diffuse cette atmosphère dans toutes les églises locales. Que la parole de Dieu soit pratiquée. Que Jésus soit célébré. Que la soumission les uns les autres soit pratiquée. Que l'unité spirituelle, la communion fraternelle soit pratiquée. Que le respect, la soumission aux anciens soit pratiquée. Sur toute la nation, partout où Jésus est glorifié. Seigneur, nous prions pour nos frères, pour nos sœurs. Nous prions que tu fasses la même chose. Seigneur, que ta parole soit vivante, qu'elle soit vécue, qu'elle soit vécue, qu'elle soit vécue, qu'elle soit pratiquée, qu'elle soit pratiquée. Oh mon ami, si tu avais dit du mal d'un frère ou d'une église locale, ne quitte pas cet endroit sans te repentir. Nous allons nous repentir de toute mauvaise parole, de toute mauvaise pensée. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'ignorance. Parfois, ce n'était pas de l'ignorance. Parfois, il y avait de la colère. Rejetons ces choses devant le Seigneur, demandons sa grâce. Oh Seigneur, nous venons recevoir ton pardon ce matin. Car il ne nous appartient pas d'accuser nos frères. Il ne nous appartient pas de jouer le rôle du diable. Seigneur, nous avons fait la peine dans ton cœur, à toi notre Père, et nous te demandons pardon. Comme des petits enfants ce matin, nous te demandons pardon. Et nous recevons le pardon par ta grâce, à cause du nom de Jésus. Comme des petits enfants, comme de petits enfants, nous venons recevoir le pardon à cause du nom de Jésus. À partir de maintenant, nous prenons l'engagement de nous taire. Là où il y a de mauvaises choses à dire, nous prenons l'engagement de nous taire. Prends cet engagement, je t'en prie. Prends devant lui l'engagement de te taire. Si vraiment il y a de mauvaises choses avérées à dire, ferme ta bouche, ma sœur. Ferme ta bouche, mon frère. L'accusation est le rôle du diable. C'est lui l'accusateur, ce n'est pas toi. C'est lui l'accusateur des frères. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Saint-Esprit, aide-nous à nous taire. Tempère-nous, 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 tempère-nous. Je ne dis que ce que je vois dans mon esprit. Et je veux que nous prions
pour que le Seigneur ouvre nos yeux, afin que nous apprenions à voir les bonnes choses chez nos frères. Que nous soyons plus conscients des bonnes choses que des mauvaises, pour arriver à célébrer nos frères, à célébrer nos sœurs, à célébrer les églises sœurs, afin que cela ne soit pas machinal, que cela ne soit pas hypocrite, mais que cela soit par révélation, car Dieu voit de bonnes choses chez chacun de ses enfants. Jésus voit de bonnes choses dans chaque église locale. Demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux. Ouvre-nous les yeux, afin que nous apprenions à voir les bonnes choses. Les bonnes choses chez notre frère, chez notre sœur, dans les églises sœurs, que nous apprenions à voir les bonnes choses. Il y a un rapprochement spirituel qui est en train de s'opérer. Le Seigneur est en train de resserrer les rangs de son armée. Il est en train de resserrer les rangs de son armée. Il y a ici des gens qui ont besoin de se pardonner ici. Il y a ici des frustrations que ton frère ou ta soeur ignore, mais que tu portes en toi. Et ces frustrations pèsent sur l'atmosphère. Il y a des cœurs qui ont commencé à s'éloigner, des personnes qui étaient très proches, qui s'aimaient beaucoup, qui se faisaient confiance. Il y a des choses qui se sont produites et qui deviennent comme des murs. Le Seigneur renverse cela au nom de Jésus. Père, avec l'autorité que tu m'as donnée, je renverse ces choses au nom de Jésus. Tout ce que Satan avait commencé à ériger, je les renverse maintenant au nom de Jésus. Satan, je ne te permets pas d'opérer en ce lieu. Je détruis tes œuvres maintenant. Nous ne sommes pas sous ta puissance. Nous ne sommes pas sous ta domination. Parce que nous sommes soumis à Jésus-Christ. Nous sommes soumis à sa parole. Nous sommes soumis à son esprit. Certains frères et sœurs auront besoin de se parler. Parlez-vous avec douceur. Parlez-vous avec sagesse. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez l'intervention des anciens et des diacres. Recourez à eux afin que certains aveux n'emmènent pas plus de mal que de bien. Que l'esprit de sagesse remplisse nos cœurs. Que l'esprit de douceur remplisse nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Tiens la main de celui qui est à ta droite et à ta gauche. Tenons-nous la main. Nous allons resserrer les rangs pour être plus forts face à l'ennemi. Face à l'ennemi. Nous sommes plus forts parce que nous sommes soumis à Jésus. Parce que nous sommes soumis au pasteur. Parce que nous sommes soumis aux anciens, parce que nous sommes soumis aux diacres, parce que nous sommes soumis les uns avec les autres. Alléluia. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, rabla sakataradada. Nintabe sharagona rabakeya. Legrana karasik no korobat. Landa beshara dadada, ozara bakiri ontorogada, labra nakiri asandoro dogo shatarake, lekrandoro gosi ramandarada, rada kibere boshentere gaya, limtrago sagam trago, onda kera gadaba, yara boshanda. Alleluia. Alleluia. Lâcher sa main et nous allons adorer le Seigneur.